mon pépère, tu te rappelles quand j'étais jeune et que je voulais ressembler à Brigitte Bardot? Rassure-toi, c'est fait. Dans mon lit. Oui. Coucou. Mais vous n'êtes pas Lucienne. Oh, ça tombe bien. Vous n'êtes pas Pontagnac non plus, mais vous êtes mignon quand même. Eh ben, mon fin cochère, hein. Oh là là. Pas du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et vous pas Lucienne? Et qu'est-ce que ça signifie? D'où sortez-vous? Bah, comment ça, d'où je sors? Mais tu le vois bien. De ton lit. Mais pourquoi êtes-vous dans mon lit? J'y suis. J'y suis. Voilà. Elle y est, elle y est. Bon, toi, je suis bien trop loin pour te donner un coup de pied. Bah, c'est de la mise en scène, alors. Eh bien, moi, je change la mise en scène. C'est pour l'audition? Non, 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 de ce côté-là, ça va très bien. Mais je vous préviens, je ne couche pas. T'en fais pas, ma vieille, on te le demandera pas. Vous resterez debout. Et vous, pas Lucienne, allez vous rhabiller. Oh, toi, 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 mon pas Pontagnac. Oh, restaure, t'es avec le maire, pas des pommes de terre. Sac à papier. Et puis, il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, dans son vieux cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer sa soupe froide. Et ça fait des grands... Mais je préfère l'acide. L'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique. Et le cidre, tu aimes? Mais dis donc, quand vous aurez fini, je pourrais peut-être commencer, non, mais alors? Mais allez-y la vieille, puisque c'est ce qu'on vous demande! Oh! Et puis, il y a la toute vieille, qu'on finit pas de vibrer, et qu'on voudrait qu'elle crève, parce que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même plus ce que ces vieilles mains racontent. Faut dire, monsieur, que ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. Dommage que vous soyez trop moche pour le rôle d'Yvonne, sinon je vous l'aurais accordé. Écoutez, quand je me vois, moi je me voyais quand même un peu plus haut, je me voyais en haut de l'affiche, je me voyais le roi. Mais oui, c'est vrai qu'il fait roi. Il fait même très roi, il fait même bien roi. Tu ne trouves pas que c'est le roi, faut lui donner le rôle du roi. Laissez-moi passer, j'étais là le premier. Monsieur, vous étiez derrière moi. Je faisais de la discrimination positive. Mais vous voyez bien que ça ne marche pas. Ma femme. Ta chambre. Sa femme. Mais c'est elle qui peut cacher. Madame Delahaye, elle débloque complètement maintenant, hein. C'est sa ménopause. Ah bon? Ben, va falloir que je fasse attention, moi, quand ça va m'arriver. Bon, toi? Ben, t'es ménopausée depuis longtemps. Ah bon?
Bon, voyons. Tu vois, mon pépère, je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge. T'inquiète pas, quand ils vont savoir qui je suis, ils vont tous s'agenouiller devant moi. Je voudrais bien voir ça. Brave Jean, je suis Alfred Hitchcock. Enchanté. Moi, c'est Léna Giffras. Quoi? Vous êtes Léna Giffras? Mais c'est fantastique! Ah, si j'avais su, j'aurais mis mon slip à col roulé. Qui c'est celle-là? Aucune idée, mais je crois qu'on devrait lire plus souvent Paris Match. Ah, j'ai vraiment de la chance de vous voir en chair et en os. Oh, vive Léna Giffras! Vive Léna Giffras! Qu'est-ce que j'apprends? Léna est là? Non, elle est là. Ah, Léna Giffras! Ah, ah, je peux mourir maintenant! Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Formidable la vieille, que tu arrives à dire tout ça sans oublier ton texte. C'est fou que tu sois capable d'un tel exploit, surtout quand on te voit, on se dit... Ah, c'est sûr que vu sous cet angle, on est étonné. Je ne fais pas du tout l'âge qu'on me donne. Quoi, Pouf? Le Pouf? Ah, Pouf! Pouf, Pouf! Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Oh! Faut pas dire qu'il a mon Popeye! Tom revenait m'aider! Vous voyez bien qu'il est en train de se noyer ou quelque chose comme ça! Madame, quel plaisir! Mademoiselle! Mais bien sûr! Mademoiselle Léna Giffras! Mais vous allez vous taire, espèce de vieille affiche de votre déguisée en guenon! Vous êtes démodé, je vais vous solder à 100%! C'est un autre ton, s'il vous plaît! Mais vous allez vous taire, espèce de vieille affiche de votre déguisée en guenon! Vous êtes démodé, je vais vous solder à 100%! Bah voilà! Et toi, ton entrepôt, ça tombe quand? Le 25 septembre à 14h. Oh, vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas déçus. Oh, je vous baise la main, je vous baise le aussi. Oh, merci. Et vous, je vous baise, je vous fais la bise. Oh, merci. Je suis le roi. Vive les gars. Vive les gars. Bien entendu, vous ne passez pas d'audition. Si, j'y tiens. Mais non, c'est inutile. Et vous allez même pouvoir choisir votre rôle. Et puis quoi encore? Je tiens à passer cette audition comme tout le monde. Ah, je comprends. C'est pour l'égalité des chances. Pas du tout. C'est pour rentabiliser le texte que j'ai appris. C'est génial. Elle a même appris un texte. Pourquoi? Il fallait pas? Ah, si. Si. Mais elle, non. Tu vas voir qu'elle va la passer cette audition. Et même qu'elle va passer 5 quarts d'heure, car je serai intraitable. Ça ne dure pas 1 quart d'heure, vous n'en aurez pas pour votre content. Si je serai content, pas content comme on dit chez nous. Pas pour pas! Pas pour pas! Pas pour pas!
puis d'ailleurs, j'en ai marre. Tu m'as fait ma petite chatte par-ci et ma petite chatte par-là. Je ne suis pas ta petite chatte, t'as compris? Je ne suis plus ta petite chatte. Mais alors t'es quoi, ma petite? J'ai ma petite. Et puisqu'elle vous dit qu'elle veut plus que vous l'appeliez ma petite chatte. Et dans quoi je me mêle? C'était pour aider. Est-ce que je vous ai demandé de l'aide? Est-ce que vous m'avez entendu crier « Allez !» Mais vous venez de le faire. Mais c'était semblant, voyons. C'était pas vrai. Simulation. Coucou. Dis donc, il est grand ton copain. C'est vrai qu'il est grand. On m'a parlé. Angèle. Angèle. Oui, on m'a parlé. Angèle. Mais qu'il est bien court, le temps des cerises. Où l'on s'en va deux, cueillir en rêvant les pendants d'oreilles. Cerises d'amour, en robe pareille, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Angèle. Ben, je savais pas, vu que moi, j'ai pas beaucoup servi. Oh,